5000 ans d'occupation de la plaine du Vistre à Vergès, c'est le terrain d'investigation des archéologues de l'INRAP. Des fouilles réparties sur un peu plus de 3 hectares, avec une particularité, le manque de stratigraphie. Tout apparaît au même niveau du décapage. Et c'est un peu la complexité, à la fois le jeu, c'est-à-dire qu'il faut tout fouiller pour attribuer une phase chronologique. Après, il y a des spécialistes de chaque période qui vont étudier les mobiliers et qui vont affiner un peu cette chronologie. 4 périodes sont mises à jour. La première va de la fin de la préhistoire à la proto-histoire et se chemine vers l'Antiquité et le Moyen-Âge. Chaque emplacement sur le terrain cache son époque et tout se joue à quelques mètres de distance. Alors, mettre ruban et crayon sont obligatoires. On a pris les silos qu'on a d'abord fouillés mécaniquement avec la pelle. Et ensuite, la deuxième moitié qui sort, on la prélève, on fait un dessin de relevé de la coupe. Et si besoin, s'il y a du matériel, de la céramique ou des inclusions de charbon, on peut faire ensuite des prélèvements. Les premiers prélèvements ont eu lieu en octobre 2012. Autour de Nîmes, et là, d'autres périodes ont été mises à jour. On était, il y a quelques mois, à côté de notre base travaux à Nîmes, où on a découvert des choses qui remontent à 300-400 000 ans. Et puis aujourd'hui, ben voilà, beaucoup plus près de nous, on a des choses qui remontent à 2-3 000, voire à quelques centaines d'années. Donc effectivement, c'est une photographie, ou plutôt c'est un film, sur une très très longue durée que nous avons mis à jour à travers ce projet. Et ce projet est la réalisation du tracé de la ligne à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier. Le site de la plaine du Vistre à Vergès est l'avant-dernier chantier archéologique. Le prochain aura lieu près de Lattes, dans l'Hérault.